votre performance va être assurée par Joséphine pour son spectacle. Joséphine Ose, si vous voulez bien l'accueillir. C'est au Sentier des Halles, tous les mardis de 19h45 jusqu'au 12 juillet. Reprise à partir du 13 septembre et au 13 juillet au Francofolie de La Rochelle. Vous savez tout, Joséphine. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Jolie, c'est certain. Alors, si on dit que c'est un spectacle où on chante, pas seulement. Mais pas que. Pas que. Où on danse. Mais pas que. Mais pas que. Où on joue. Mais pas que. Où on pleure. Un petit peu. Où on rit. J'espère beaucoup. Où on rêve. Ah, mais ça... Eh, faites. Voilà. Oh. Bah oui, bien sûr. Mais... Bah oui, quand même. Il faut... vous les avez, non, mais ils sont bien, ah, ils, ouais. Ils sont toujours. Bah alors, en plus, il y a un accompagnement musical. C'est pas... Parce que quand on dit ça, c'est tout simplement pour dire que c'est assez spectaculaire, qu'on a du mal à situer, parce que tant mieux, d'ailleurs, parce que c'est assez innovant. Alors, il y a de la musique. Oui, vous racontez une histoire, un peu un chagrin d'amour. En fait, c'est ça. Mais de manière... ça veut dire que je raconte une histoire et au milieu, les chansons viennent ponctuer un peu à la manière d'une comédie musicale. Des tableaux, soit qui font avancer l'histoire, soit qui viennent juste illustrer ce que je viens de dire de manière plus ou moins... Alors vous, votre formation comédienne... Comédienne, bac, oui. Avant la musique. La musique. Oui, j'ai eu mon bac, oui. Ouais, mention. Mention bien. Oui, mention bien. Ouais, non, vous êtes bien informé. Parce que, comme en même temps, pour ce à quoi ça me sert aujourd'hui... Pourquoi la mention? D'abord, faire plaisir à ses parents. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Hein, non, ça ne sert pas à faire de faute quand j'écris. Oui, oui. Non, mais vous avez tenté des études, des choses comme ça, dites-nous. Très peu. Je me suis vite tournée vers le théâtre. En fait, je me suis laissée que j'avais un an d'avance, comme j'étais déjà très en avance, très intelligente, très prématurée. Ouais, je me suis dit. Modeste. Voilà, modeste et modeste déjà. Je me suis dit, je me laisse un an pour faire du théâtre et voir si j'arrive à commencer quelque chose. Mmh. Et j'ai réussi à décrocher un job à la télé en tant qu'animatrice télé. Et jusque-là, je n'ai pas eu à le regretter, en fait. Donc, Et le chant, parce qu'on sent qu'il y a une voix là derrière. Ouais, hein. Mais j'ai pas pris de cours de chant. Ouais, c'est vrai. J'ai une famille je suis issue d'une famille de musiciens, mais ouais. Je sais pas, peut-être ça doit... Mais alors Joséphine, on se dit Joséphine ose Joséphine, ça nous fait penser à Bachung. C'est vrai que votre papa était le batteur de Bachung? Ouais. Hein, c'est ça, pendant 10 ans. Voilà, donc c'est une... Et Joséphine, c'est vous dans cette chanson? C'est l'anecdote. J'ai été à l'origine de l'histoire de la chanson. Parce que quand j'étais petite, on était souvent chez Bachung, chez Alain. Oui. Et que j'avais 3-4 ans à l'époque. Et j'étais toujours un peu timide. Et il venait me voir comme ça. Et il me pinçait la joue en me disant « Ah si, José, Joséphine ». Et de cette petite phrase est resté le gimmick qui lui a fait créer la chanson « Osez Joséphine » des années plus tard. Oui. Mais je ne suis pas le thème. Il ne parle pas de moi. Oui. Il me dédie pas la chanson. Mais le gimmick, on sait très bien qu'en écriture, on a parfois des petits réflexes, et cette phrase rodait depuis cette époque-là, ils s'en est servi pour écrire la chanson. Ah voilà, c'est quand même beau parce que c'est une chanson qui tourne beaucoup, qu'on voit qu'il y a un très très joli clip d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez. En fait, Jean-Baptiste Mondino, voilà. Qui a réalisé le clip de cette chanson, a fait mon affiche. Voilà. A fait la photo de mon voilà, affiche. Avec ce très très beau cheval qui tourne, ouais, qui tourne autour de lui. C'est une très très beau, un très beau clip. Bon, maintenant, je crois qu'on va, parler de vous. Le bar vous attend, si je comprends. Waouh, oulala. On encourage, Attention, juste le verre, parce que j'ai peur de tout. Voilà. Oh mon Dieu, une déclaration. Déjà, ça commence comme ça. Oui, bah oui, ils sont comme ça. Déjà un numéro, c'est très bien. Deux. Et déjà deux. Bon, on en parle après. Ça, on peut s'arranger éventuellement. Trois numéros, quatre, cinq. Bon, c'est ça. Bon, ça, on va le gérer après. Waouh. Bon, bah allons-y. Puisque fille qui roule n'amasse pas mec, ma copine Sarah m'a emmené faire un footing. Voilà. Enfin, vite fait. Vite fait. Bah oui, pourquoi vite fait? Pourquoi vite fait? Bah oui, pourquoi? Pourquoi? Et parce que pas besoin. mais oui, je ne suis pas mince. Mais je sais que je ne suis pas mince. Mais oui, mais c'est quoi mince? Mince, mince. Mais c'est cheap, hein, ça c'est ringard, hein, désolé. C'est les années 2000, hein. 2004 maximum. Non. Non, pour faire court, la bouffe, c'est ma vie. Voilà. Mais c'est aussi la vie. Je vendrai ma soeur pour une crêpe. Non. Et puis c'est pas moi qui le dis, si, hein? Être bien portant. Faire plaisir à voir. Mieux vaut faire envie que pitié. Quand l'appétit va, eh ben tu grossis et puis tu vas te faire foutre avec un peu de chance. Donc ça va deux minutes la blague. Oui, j'aime les Kinder Pingui. Et oui, ils me le rendent bien. Voilà. Donc Sarah a dit, tu jettes tes cornettos extrêmes. Ok? Parce que Sarah, est-ce qu'elle mange, elle? Eh non. Alors oui, elle est seule. Donc oui, c'est un mauvais exemple. Mais pourquoi on ne mange pas? Pour être mince. Mais pourquoi on va être mince? Bah pour être belle. Mais pourquoi on va être belle? Bah pour pécho. Mais pourquoi on veut pécho? Hein? Bah pour pas être seule.
Et en même temps, ma copine Sarah, je sais un peu pourquoi elle est seule. Formation personnelle, prénom Sarah, nom Pirel, 25 ans, pas mariée, taille 36, bonnet C. Bac mention bien, 2 ans de latin, famille riche, héritera des biens, langues étrangères bien appliquées, elle aime sortir aussi rester. Juste un détail à signaler, voir bas de page, nota bene. Elle est compliquée, elle a beau s'appliquer, sur le CV ça va, mais c'est... Une fille compliquée, elle a beau l'expliquer, sur le papier ça va, mais c'est... Sans compter les défauts de ses qualités. Elle a les yeux revolvers, récite des vers de Prévert, mépris de Neuilly sur scène, adresse Paris 18ème. Elle est moqueuse mais pas méchante, en centre-ville elle roule à 30, bon public à l'humour facile, presque parfaite et sans fossiles. Une remarque particulière, voire bas de page, rubrique divers. Elle est compliquée, elle a beau s'appliquer, sur le CV ça va, mais c'est... Une fille compliquée, elle a beau l'expliquer, sur le papier ça va, mais c'est... Sans compter les défauts de ses qualités. Elle est compliquée, elle a beau s'appliquer, sur le CV ça va, mais c'est... Une fille compliquée, elle pense à ne pas penser, sur le papier ça va, mais c'est... Sans compter les défauts de ses qualités.